Je crois que la question principale, elle s'est jouée sur les enjeux économiques et sociaux. Et je pense que les autorités et le gouvernement de Saakachvili n'ont peut-être pas mesuré à quel point une part importante de la population ne sentait pas les bénéfices des réformes qui ont été menées durant ces années. Certes, il y a eu des avancées positives qui ont été unanimement soulignées en matière d'élimination de la petite corruption, par exemple. Mais les orientations de la politique économique était contestable. On peut mettre en cause l'idéologie néolibérale qui dictait ces réformes et considérer qu'elles ont amené à plus de disparités sociales, à une répartition injuste des richesses dans le pays. Et ce qu'il faudrait, me semble-t-il, souhaiter pour la Géorgie, c'est que le prochain gouvernement soit capable de mener des réformes qui ne mettent pas à mal la population et qui permettent à la population de sortir d'une très grande pauvreté dans laquelle est une part importante des Géorgiens.